Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve sur Crusader Kings 3 avec Laura Barthélémy 2 dans jour 71 ans et aujourd'hui on trouve des solutions pour grappiller la France. C'est parti! On se retrouve pile poil là où nous nous étions arrêtés la dernière fois avec une, pour débuter, une redistribution des terres que nous avions conquéries directement ici. Je crois qu'il y en avait pas mal à ce niveau-là, de différentes guerres saintes, etc. etc. Donc, tout de suite, on va déjà faire le nécessaire pour redistribuer cela à tout ce qui est de notre dynastie. Toi, tu n'as pas de titre, si je ne me trompe pas. D'accord ou pas? Pas de titre? Pas de titre. Et c'est notre petit-fils. Il a 7 ans et lui, il en a 9. Pourquoi je dirais que c'est lui? On va plutôt faire autrement. Attendez. Si ces 4-là, on va lui donner à l'un. Ok, c'est bien ça. Petit-fils. Mais petit-fils de qui? Seigneur Lige. Ça, c'est notre petit-fils. Notre héritier a changé encore. Ok, très bien. Pourquoi? Ah non, il a encore changé de coupe. Mais il change de coupe tout le temps, il avait les cheveux longs tout à l'heure, mais je suis perdu moi. Qu'il arrête de se couper les cheveux, je crois. 23 ans, ouais, c'est bien lui, pied beau, beau et vigoureux. Bon, mais il change de coupe tous les 4 matins, hein. Bon, mais il fait ce qu'il veut. Donc on va distribuer à son... Oui, c'est sa femme, et ça c'est son frère et sa sœur, d'accord. Là, pour l'instant, il a que des filles. C'est pas cool, hein. C'est pas cool. Il a des frères qui sont très très loin. Il a surtout... Donc là, c'est pas notre lignée directe. Alors, c'était notre petit-fils d'un autre mariage. Faut pas oublier de elle. Hein. Non, je ne sais plus. On est dans une organisation très compliquée. Hein. Vous allez le voir, ça reste très compliqué. Mais on arrive à s'en sortir. Jusque-là, on a réussi. Je trouve des petits-fils et des petites-filles de personnes que je ne connais pas. Par exemple, t'es mon petit-fils, t'as pas de terre. Donc toi, je vais te donner des terres. En plus, tu es beau. Bon, t'as l'hémophile, mais c'est pas grave. Mais on va essayer de te donner des terres. Comment je fais pour lui donner des terres comme ça? Ok, bah, il veut pas, donc on change de méthode. On va tout donner ici à un seul et même enfant. J'aurais voulu donner quelqu'un de plus grand de notre famille, mais de grand. Lui, il est quoi? Il est pas du tout de notre ligne directe. Et donc là, on tombe sur ceux qui sont de la lignée directe. Donc il aura ça, il aura Valence, il aura Alicante, il aura Castillo. Qui gère le duché, là? Je sais pas, mais on va lui donner le duché. Ça doit être nous qui devons l'avoir. Pas de souci là-dessus. Voilà. On va faire pareil avec lui. Où on va donner donc à son petit frère au moins juste celui-là, parce que pour l'instant il est à part. On a aussi celui-là qui est là, bon, on lui donne les deux. Voilà, et ça permet de mettre un peu plus de monde dans notre renommée, ce qui est plutôt pas mal. On gère tout de suite le conseil. On a quelques petites stratégies pour essayer de progresser et d'augmenter. Je garantis rien, j'ai réfléchi à des plans machiavéliques. Mais bon, on va espérer que ça passe. Alors, on peut organiser un banquet pour essayer de gagner du prestige. On n'a pas besoin de prestige, on est déjà au summum. Et on est icône religieuse, on est doublement au summum. Ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, là, la France occidentale, on aura énormément, mais vraiment énormément de mal à la choper. Donc, la seule manière que j'ai vu, entre guillemets, c'est de user de lui et surtout d'une de ses filles. Celle-ci, et de ce que j'ai vu par exemple, c'est de lancer un assassinat contre lui. Actuellement, j'en ai pas, donc on fait ça. Et c'est d'essayer de marier lui, arranger un mariage avec justement une de mes petites filles. Donc, moi, c'était Béatrice que je voyais. Lui, il est intelligent, elle a tout. Et bien sûr, on prend elle en matrilinéaire. Comme ça, ça sera de notre famille. Et elle rentrera dans notre organisation. Et j'espère qu'on pourra faire quelque chose avec. Voilà le plan tordu
que j'envisage. Tout de suite, on essaie de voir si on peut, pourrait être convaincu. Très bien, on va soudoyer un petit peu. Pour être convaincu, on soudoie et on voit ce que ça donne. Tout de suite, toi, tu acceptes volontiers le mariage, pourquoi pas. Bien que ces nombreuses tentatives pour obtenir de mes faveurs ne sont pas passées inaperçues, je peux que me sentir agacé par l'intérêt soudain du comte Alain à mon égard. Il a quoi, c'est quoi celui-là? C'est compatissant, je ne peux pas me défaire du sentiment. Pas tranquille, je ne veux plus le voir. J'ai noué des liens, obtenez un, vous augmentez en stress. Perte de l'opinion contre vous. C'est un vassal fort quand même. On gagne un en stress. Un point en stress, c'est rien. Mais l'avantage, c'est qu'on... C'est un vassal fort qui nous embêtera moins. Parce qu'on avait quelques factions. Et on a quasiment tout tenu. Il y a juste... Ah ouais, bon, j'ai dit tout tenu. Ouais, bon. C'est peut-être parler un peu vite. On va essayer de faire double cadeau. Voir si on arrive à sortir du monde là-dessus. Que... Mais non, mais je suis bête, c'est ceux qui peuvent pas rejoindre la faction, je suis idiot. Ben, j'ai fait des cadeaux, voilà, ils sont contents, ils auront plein de sous. Donc lui, je suis bloqué, il veut rien, j'ai tenté de voir, il ne veut pas du matrilinéaire, donc je suis embêté. Et il a les deux, ça c'est pas évident. Ça, c'est à moi si je me trompe pas. L'Auvergne... Ah non, l'Auvergne, on n'a pas tout. L'Auvergne, il nous en manque un petit peu. Donc, faudrait que je trouve quelque chose à faire avec l'Auvergne. On est après ici, le Poitou, la Bretagne. La Bretagne. Il nous manque un type pour créer quelque chose. Donc, il faut qu'on arrive à choper quelque chose ici. La Champagne, pareil, on est bloqué. La Bourgogne. Ah, l'ivrogne, il est bien en Bourgogne. Et nous arrivons en Flandre. Même si Flandre. C'est Boulogne et les Lille, donc c'est un petit peu chez nous. Mais personne a le titre pour l'instant. Donc si c'est ça, il faudrait qu'on parte dans le dans la vision comté. Elle est où la vision comté là-dedans? Si j'avance, voilà. On va tomber sur les comtés. Et les comtés, on va avoir beaucoup plus de difficultés à pouvoir faire quelque chose. La seule chose qu'on peut faire... Par exemple, ça, on va pas s'amuser à faire ça. On a d'autres priorités à faire. Donc, ça reste très très compliqué pour avancer. Mais on va essayer de trouver d'autres stratégies. Tout de suite, première chose qu'il faut faire. Il y a déjà ça, bien évidemment. Toi, tu apportes rien, mais tu seras content avec moi. Et toi aussi. Là, on est d'accord. Faible présence de comté. Non, ça va le faire. Le pays perdra des terres à la mort de certains vassaux. Donc lui, pourquoi? Parce que lui doit être ailleurs. La question, c'est comment on fait pour changer la lignée? Parce que là, il n'est pas de ma dynastie non plus, lui. Il vient d'où? Il est d'ici, donc lui, si on chope cette partie-là, on peut imaginer... Ça doit pouvoir être à moi, j'imagine. Ah oui, c'est Valence. Donc, on l'a au moins de jure, celui-là. Déclarer une guerre. Comté de jure. Voilà, on en a plusieurs. Ah, la seule difficulté, c'est qu'on pourra pas tout faire. Et ça, c'est compliqué parce que... Ben, on va pouvoir faire un seul par un seul. Et ça... Donc, autant faire peut-être le plus gros. Là, il y a des restants, des petits morceaux à choper ici. Balance qui était là. Neustrie, ça nous permettrait de compléter clairement cette partie-là. On a la France qui vaut 11 000. On en vaut tout autant. Afficher les alliés. Qui sont globalement faibles, mais bon, on reste plus taillé. Donc on va voir si on fait cette guerre là. Sinon on tente le duché de Savoie qui est là. On va faire une guerre d'excommunion.
pourquoi pas. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et déposer, on obtient tout ça, mais je suis pas forcément intéressé. Là, on a un comté. Il obtient le duché de Gênes et lui, il devient notre vassal. Si je me trompe pas, hein, le comte gagne de la gloire. Devient votre vassal, donc on récupère ça. Je trouve pas ça si déconnant. La force est de 9000. Il y a un allié qui en vaut 3000. Sauf que là, il y a un jeu qui déconne un petit peu. Lui, ouais, c'est Séby plus machin. Je me dis, ça peut se tenter. Un bon petit duché ici. Je trouve ça plutôt intéressant. On se lance. Au moins dans cette bataille. On va voir si on peut lancer autre chose en parallèle. Hein. On aime bien lancer plusieurs trucs en parallèle. On pourrait lancer ça aussi. Je trouve ça pas déconnant. Ça coûtera moins cher si on lance ça. Et en plus, avec la belle musique bien forte dans les oreilles. Tout sans cœur. Là, il y avait beaucoup à déclarer. Hein. Je m'en rends compte. Hein. Là, on arrive à ça aussi. Grenade. Le problème, c'est que Grenade, il dit pas oui. En tout cas, on va le prendre aussi. Mais peut-être un peu trop ambitieux, là. Bon, on va se limiter à ça pour l'instant. On va en tout cas envoyer pour la guerre ici. On va de faire appel à nos alliés. Dans la guerre contre Gênes. Dans la guerre contre Gênes. Parce qu'ils sont plus proches, hein, surtout. Et donc, il y aura un peu plus d'armées pour nous aider contre eux, hein, simplement, hein, je vous dirais. Ici, on va le déposer. Ah, je pense que ma préoccupation première... Non, on va prendre là-bas. Ma préoccupation première sera ici. On va tout lever ici. Et on va dispatcher, probablement, renvoyer vers le sud. Vers l'Espagne. On se retient pas, on avance sans se poser de questions. Et on verra bien si on y arrive ou pas. Là, tout est levé dans un jour. Voilà. On groupe tout au même endroit. On scinde après l'armée en deux. Et nous devrions être plutôt pas mal. Là, on a 1000 et quelques en armée. Ça se trouve, il était déjà en guerre. Non, il n'était pas en guerre parce qu'il nous envoie que ça pour l'instant. Ouais, non, ça c'est notre allié, je suis bête. Je suis bête. C'est bien ça qu'il faut récupérer. Donc, ouais, il y a moyen de faire un truc pas mal. En tout cas, ici, on va prendre un groupe d'onagres. Ici, on va prendre. On peut faire plus intelligent, c'est de vérifier son armée. Il a haché, piqué, piétaille. Donc, les cavaliers doivent rester ici. Ok, donc les cavaliers doivent rester ici. Non, on rescinde tout. Les cavaliers doivent rester ici, donc on peut envoyer la piétaille de l'autre côté. On avait dit ça. Je pense que c'est pas mal. On va essayer de rajouter un ou deux chevaliers quand même. Et voir ce que ça donne par la suite. Voilà. Ici, on va prendre organisateur de troupes. On va partir là. Et toi, bah, tu vas venir tranquillement prendre ça tranquillement au début. Un siège peinard pour essayer d'avancer. Donc oui, on laisse les cavaliers avec eux. Parce qu'ils vont être très très importants. Du moins, s'ils avaient eu des cavaliers, on aurait pu se poser la question si on garde ou pas. Mais voilà. C'est compliqué, c'est dans ma tête. Pour moi, ça paraît clair dans ma tête, surtout. Je pensais que ça allait être clair pour expliquer, mais finalement... Bon. On n'a pas un autre départ à faire, si. Pour l'instant, c'est pas gênant. Alors, toi, je me suis pas. Bon, si tu veux me suivre, oui, mais non. Ne me suis pas. Je ne sais pas où il a mis son armée, mais pour l'instant, je ne... Si, elle est là. Elle est là, son armée. D'accord.
Ok, là, il va me suivre. Là, je reste vigilant parce que j'essaierai de le rejoindre. Si je peux. Là, il n'y a pas de... De toute façon... ouais. Ça coûte un peu, mais quasiment rien, c'est pas gênant. Là-dessus, c'est pas gênant. Et j'aurai bientôt peut-être le droit estorquer les sujets ou un truc comme ça. Je crois que je l'ai pris. Hein. Donc, est-ce que ma femme veut adopter... oui, adopter la Sorcellerie, elle mérite de se faire sa propre opinion. On propage tout ça, bien évidemment. En cadeau, on a... Oh, non. Attendez, ne rejoindrons pas de faction. Il y a lui. J'ai bien essayé, j'ai bien fait d'essayer de les soudoyer parce qu'en fait ils sont pile poil dans la faction quoi. C'est incompréhensible, hein, je peux enfin lui montrer mon vrai moi. Alors dans la conversion, je ne sais plus où on s'en était arrêté. Proposé, lui il était fait. Elle, je crois qu'elle était faite. Elle était faite, elle est déjà. Hein. N'a pas un secret connu par vous. Elles sont... Ouais, on a quand même certains qui sont un peu... Chaque mois qui étudient, ouais. Elle est casse-pied, je sais pas pourquoi elle ne veut pas. Toi, t'as été fait. Donc je pense qu'il me reste principalement l'héritier si je ne l'ai pas déjà fait. Ouais. Tenter, il ne peut pas. Dommage. On va s'arrêter là par exemple. Lui il était à ce niveau là. On n'a pas fait le soutenir les complots avec lui. Voilà. C'était ce qui était nécessaire pour essayer de finir notre petite stratégie de conversion. Si je lève ça ici, un soutien. Récupéré par ma guerre, mon ami Anne a prélevé une somme de son trésor afin de m'aider. Je ne dis pas non, bien évidemment. Faire ça, pourquoi pas. Ça va pas m'apporter grand chose si je me souviens bien. Toi, tu peux aller ici et là. Tandis que toi, tu repasses avec lui. On va tenter de faire deux fronts en même temps. Hein. Toujours la difficulté de faire deux fronts. Bah, il faut arriver à s'organiser. C'est le duché de Gênes, donc c'est celui qui me... à qui je déclare la guerre, bien évidemment. Là, il y a pas mal d'armées. Je pense que je peux ne pas y arriver ici. Donc on va juste se mettre là pour l'instant. On va passer. Ben non, on est rentré dedans. Peut-être pas nous. J'ai l'impression que c'est nous. Mon vassal, il est blessé. Pourquoi pas. Ça va être tordu, hein. Donc on arrive à faire du multitâche en même temps. Qui, je vous dirais, s'annonce assez compliqué. Et voilà. Si on ne se fait pas attaquer par une autre guerre, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Là, on a eu ça. Attendez, là, il déconne un peu. Il va passer comme ça et on va voir ce que ça donne ici. Tandis que lui, il va prendre le siège là. Je suis moins inquiet en haut qu'en bas, hein, bien évidemment. Parce que ben, y a quand même plus de monde en haut. Déjà 4%, c'est ridicule. Le 4%, on est conscient, c'est ridicule. Mais on se fait pas trop attaquer pour l'instant, c'est bien. Là, lui, il me tend les bras, mais je ne peux pas y aller. Ici, ils vont venir. Non, même pas. Eux, ils attaquent qui? Il est en guerre que contre nous, alors. Ah non, il se fait aussi, il se défend contre l'offensive occidentale. Oui, ça, c'est nous, d'accord, oui. Donc, oui, il est bien dans une autre guerre aussi. Donc, je pense qu'on a attaqué les deux. Je pense qu'il a dû voir que j'attaquais et il m'a attaqué. Disons-le comme ça. Là, on va y arriver. Vas-y. Moi, ce que j'ai peur, c'est quand même ça. 23 mois. Ah, 23 mois. Ouais, ça peut le faire, 23 mois.
ça peut être considéré comme suffisamment long. Là, on a pris ça. Où est son armée à lui? Son armée, elle est là-bas. Elle est archi loin. Là, on a un match nul. Montagne, montagne. Ici, là, si toi, je te mets un meilleur. On va se mettre ici et voir ce qui se passe. Là, peinard. En fait, on va y arriver très facilement. S'il ne nous attaque pas, du moins s'il est en guerre contre la France occidentale, on devrait y arriver vraiment tranquille. L'existence de mon complot visant a été découvert, bien que mon opinion ne soit pas encore connue. Malédiction. Ah, c'est nul ça. Alors, on va surtout épingler le garçon. Parce qu'il faudra qu'on refasse l'exercice un peu plus tard. Lorsque il ne sera plus vigilant. On avait aussi celui-là hein, qui était très intéressant parce qu'il pouvait avoir. Ah non, il avait un petit. Oui, il avait le Royaume d'Écosse qu'on n'a jamais essayé de prendre, bien sûr. Et je pense qu'on aura quasiment pas d'opportunité d'y arriver parce que ça annonce une guerre très très compliquée celle-ci. Une paix blanche. J'ai peur que si on décline, ils se révoltent un peu. S'il y en a un ou deux qui sont quand même. Pour l'instant, on laisse. Est-ce que j'ai un meilleur chevalier à mettre? Toi, je suis pas certain. On va mettre lui pour l'instant. On va voir comment ça se passe. Si on poursuit les efforts ici, lui, je sais pas trop ce qu'il fait et ne nous embête pas. Lui, il va peut-être venir nous casser les pieds. C'est certain, c'est ce que j'attends un petit peu aussi. Là, c'est une confrontation. Toi, tu viens pas m'attaquer, moi je vais te prendre ça et voir ce que ça donne par la suite. 7 mois, ça va être très très long pour y arriver. Là, on va faire les deux sièges en même temps. Oh là 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 là, c'est beau ça. Tu vas passer par là. On va essayer de le choper. Histoire de précipiter un petit peu la bataille. Attendez, c'est où que ça se passe? Ouais, et toi t'as qui? T'as lui, qui est le meilleur qu'on a. Ouais. On le laisse y aller. Voilà, et là on le prend. Et toi t'arrives en support. T'as peut-être plus rapide, c'est lui. Parfait. Donc là on prend le siège d'un côté. Avec le temps que ça peut prendre. On va mettre lui en attendant. Il ne nous attaque pas, on est vraiment peinard. La seule chose que je veux faire, c'est voir si j'ai un peu de levée. Ici. Voir qu'est-ce qui va me lever, mais probablement à peine une centaine de troupes. Ouais, deux. Ouh! Méchant, hein. Ouais, bon, ça va pas être grand chose non plus, hein. Le but était de voir si j'avais des petites choses intéressantes. Là, il a esquivé la bataille. Là, il a traversé de mer. Traverser jamais bon pour nous, mais bon, on est largement dominant, donc c'est pas gênant. Une malédiction a été levée, c'était une rivale. Exactement. On le prend sans trop de difficulté. 59%. On a pris tout l'objectif, hein, si je me trompe pas. Attendez. L'objectif était là, ça c'était notre allié. Pour moi, le plus simple serait de venir là-bas. Sauf que, voilà. On est un petit peu bloqué. Lui, on l'a plus.
vas scinder l'armée en deux. Toi, tu vas te mettre avec ici. Tandis que toi, tu vas venir ici. On va essayer de prendre un peu plus de sièges et on devrait être tranquille. Là, on voit qu'il essaie de nous attaquer par derrière. Connais-toi toi-même proche de la fin, je le sais. Au plus profond de moi, la mort viendra pour moi bientôt et attend patiemment de m'accueillir. 73 ans. Je serai mort d'ici un an. Un an, donc on est en 46. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vigilant. J'espère que c'est un an pile et que d'ici là, on aura fini au moins une ou deux guerres. Sachant que là, il y a 13 mois. Ouais, d'ici là, j'espère qu'on aura fini les petites guerres parce que sinon, on va être dans la panade. Là, on n'a rien à prendre. Ouais, on va retourner ici, on va essayer de grappiller un peu. Voir ce que ça donne. Que toi... mettre avec lui pour essayer de précipiter la fin. On a un peu extorqué les fonds. De toute façon, franchement, je dirais qu'on est tranquille. On peut les extorquer. Bien sûr, on va prendre. On aura un peu de tyrannie pendant. Ouais, mais on gagne. Ah si, on gagne pas mal. On prend même la tyrannie. Et même, je pense que le chantier de sa vie, si je me trompe pas, sera. Paris, il est là. Notre-Dame, on peut pas. Mince. Ah, on peut rien faire ici encore. Il me manque Moulin ou un truc. Ah non, on n'a pas le duché. Ah, on n'a pas de duché. Et ici, c'est quoi? C'est Moulin. Moulin avant. Il nous manque toujours le Moulin avant. Moulin avant, je ne sais pas. Alors, frapper la monnaie. C'était quoi? C'est... ouais, c'était pas mal de développement. Je ne sais pas où ils sont les moulins avant. Est-ce qu'ils sont là? Travaux, non. Ici, on est d'accord que non. Là, je ne les vois pas. Les mangonaux, pourquoi pas? Ça doit être dans le dernier âge? La grue, c'est le moulin avant, ça doit être avant la grue. Là, avant il est là, ok, donc il faut vraiment attendre. N'est pas disponible avant. Bah oui, donc il faut que j'attende 4 ans pour essayer de débloquer celui-là. Donc je suis vraiment bloqué, j'aurais bien voulu faire assez tôt le truc, mais en fait pas du tout, on peut pas du tout le faire. C'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Un commandant peut être promis, très bien. On n'a pas eu de changement d'héritier, on tombe toujours avec lui, qui a de beaux traits. Et qui a eu encore une fille. C'est très embêtant. Qui ne chope que des filles. Un peu d'attrition ici. Pas sur une bonne terre, d'accord. Ouais. Donc on va prendre ça. On va espérer que ça ne le perturbe pas. J'ai peur que si, mais bon. On va bien voir ce qui se passe derrière. Là, si je suis pas sur un siège, ça va pas aider. On va se mettre là. On va lui piller avec la France occidentale. On va essayer de tout lui piller. Hein. La guerre est invalide. D'accord. Celle-là, elle s'est arrêtée parce que l'autre, il a conquis. D'accord, il a conquis. Ah, c'est la France occidentale. Oh, on cumulait la même guerre en même temps. D'accord. C'est moins cool. Donc ça veut dire que lui, il est aussi en train de grappiller en même temps que moi. Donc ça veut dire que ça va être très compliqué. La fraction occidentale, quand je vais devoir lui faire une sacrée guerre, ça va être très très compliqué. Son enfant, c'est lui. J'ai un mariage. Voilà, ça. Là qu'on regarde, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus avec ce changement-là. Je pense qu'on va pas pouvoir faire grand-chose comme ça, mais soyons optimistes, on ne sait jamais. Je peux rien lever, j'ai rien à disposition. 22 jours, on va les avoir, tandis qu'ici, ça avance toujours. 70%, on a les objectifs de guerre, donc
pas, on a l'objectif. Hein. Tac, 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 et on contrôle aussi celui-là ou pas? Oui, bon, celui-là, c'est peut-être pas nous qui le contrôlons, mais c'est pas grave. On l'a passé à ce niveau-là. Donc là, c'est la partie compliquée, c'est est-ce qu'on l'attaque ou pas? Et si on l'attaque, de quelle manière? J'aurais tendance à dire, je lève quelques troupes. Genre, toi, te mettre ici, pourquoi pas. Et toi, je fais, faut être en territoire allié, je crois, pour pouvoir lever les troupes. On va revenir ici, on va essayer de faire les 1000 et voir ce que ça donne derrière. Là, me dis pas qu'il est en train de refaire un siège ici. J'aurais tendance à tester, hein, à y aller. Sauf que je suis persuadé que j'ai pas le bon. Je pense qu'on a peut-être mieux. Celui qu'on a mieux, c'est avantage défensif ennemi, forêt et taïga. Ouais, non, on n'a pas. Je trouve qu'on n'a pas forcément mieux. Donc on y va, à la bataille. On verra bien ce qui se passe derrière. Toi, pour y aller, tu vas mettre combien de temps? Pour 3 mois, ouais, c'est 3 mois, quoi. On peut le lancer, hein, mais voilà, 3 mois. Tu vas aller ici alors. 84%, ça monte tout doucement là-dessus. Là-dessus, de toute façon, lui, on peut pas lui faire un complot. On est bloqué jusqu'en 56, donc on va attendre que et l'autre que nous mourrions, hein, que notre cher étant Barthélemy 2 d'Anjou décède. Toi, tu y vas ou pas là? C'est bon en premier alors. Ok, ouais. C'est pas gagné, hein. Pas gagné. L'autre, il va reprendre le relais aussitôt. Il va me faire même perdre. Je vais même perdre du score de guerre. Allez, mince alors. Ça perd l'hippopette. Ah, il va nous casser les pieds celui-là. Franchement, il va nous casser les pieds, mais c'est royal. Ok. Ici, ça monte toujours. On n'a aucune difficulté. On est en train de piller simplement. Et on ne peut rien faire d'autre pour l'instant. Vous pouvez déclarer la guerre. Vous avez des conseillers puissants. Pourquoi pas. Bien sûr que c'est ma fille. On a confiance. Voilà. Et là, on passe l'arme à gauche, 74 ans, donc c'est un très long règne. Le roi Barthélemy II d'Anjou a rendu l'âme à l'âge de 74 ans. Il est mort de vieillesse, homme zélé. Il s'est battu pour la gloire de Dieu contre les païens dans l'une des plus grandes guerres saintes de l'histoire. Le roi Othon monte sur le trône, un homme dévot et humble qui est peut-être plus fait pour un temple que pour le trône. D'accord, parce qu'il est, il doit être légèrement religieux. Donc là, classique, on va, il est humble, il est tempéré, il est zélé. Alors zélé, ça va être pas mal. Là, on n'a pas le titre qui va bien. Là, je vais avoir des petits conflits. Moualadit qui va se révolter ici. Non, me dites pas que. Ne me dites pas que. Oh punaise! Ah, je suis plus le roi d'Anjou! Ben oui, c'était un mariage avec la Bourgogne. Bon, ben on n'est plus Anjou, on est roi de Bourgogne. Voilà la nouveauté. Ben c'était pas anticipé ça. J'avais totalement oublié qu'on était là. Je sais pas si on pourrait se permettre de changer le nom de notre. Parce que.
que même la famille, c'est nous qui la gérons pour l'instant. J'ai pas l'impression. Ça fait très bizarre, ouais, de changer de couleur comme ça. Faudra qu'on s'y habitue. C'est surtout ça, faudra qu'on s'y habitue. Toi, t'as l'air beaucoup mieux. Enfin, pourquoi pas, toi t'es un vassal fort, donc on va t'affecter. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais on va faire en sorte que... Toi, tu n'es pas un vassal fort. Et toi, tu es meilleur. 29, je pense que je pourrais peut-être pas avoir mieux. Hein. On va faire avec, tu tombes sur lui, qui n'est pas un vassal fort. Lui. Tac tac tac, et toi de toute façon à 29 je pense que je peux être tranquille. Voilà, notre femme, elle avait le trait avenante, nous on avait les deux traits vigoureux et machin, donc c'est plutôt bien. On a juste un souci, c'est qu'on a toutes les propriétés qui se sont cumulées. Donc lui il a des problèmes d'impôts. Rien, mais réactiver le mois prochain. Donc on va voir déjà le mois prochain ce qu'il se passe. Ce qui est certain, c'est que là, on a de nouveau une armée qui va attaquer. Peut-être pas en mode guerre sainte. Hein. On n'en est peut-être pas à ce niveau-là. Là, on va avoir les menaces qui vont tomber. 18 mois, ça c'est attaque imminente. On va avoir du mal à faire quelque chose. Là, on va. J'ai peur qu'on s'enlise dans les guerres là maintenant. Parce que là, il est en train de venir ici. Tandis qu'on est là. Donc, il nous laisse tranquille parce qu'on doit être entouré de notre pseudo-allié. Hein. Le mois est passé. Le mois est passé. Voyons. Toujours pas. Bon, on va attendre le possible mois prochain. Hein. Donc là, on fait l'attaque. Pourquoi pas. Et là, parfait. Voilà. On s'est agrandi ici, hein, naturellement, en cadeau. Ça, on va pouvoir lever, se mettre ici et lever immédiatement. Ça, ça va être bien. Ça va peut-être baisser un tout petit peu la pression qu'on pouvait avoir. Fortification, tu peux. Et déclaration de guerre, tu peux. Ah ouais. Tentez d'assainir un membre de votre famille. Non, on va attendre. Parce que si on le fait maintenant, on risque de se faire peur. On risque vraiment de se faire peur. Ici, tant qu'on n'a pas récupéré les sous, on peut pas s'amuser à vendre des titres. Clairement, ça va nous être préjudiciable. Là, on va finir ça logiquement. Et on part de suite vers lui pour tenter de le choper. En termes de stabilité, on a fait ça, on a fait le tour. On est à 6 ici. On a toujours un homme qui est déjà embauché, on peut rien faire. D'un point de vue argent, pourquoi il est désactivé? J'arrive pas à comprendre pourquoi il est désactivé. En tout cas, ça, on pourrait lui proposer une vassalisation à un moment donné. Attendez, là déjà c'est une nouveauté par rapport à ça, c'est... Est-ce qu'on lui met des obligations féodales normal ou basse? Bah c'est pas grave. Comme ça on récupère sablé, on comble le trou. Parfait. Il y a moyen de faire ça aussi ailleurs. La France aussi orientale, oui. À proximité, non, il y a que la Syrie qui reste. Et qu'on pourra pas faire grand chose. En tout cas, ici, là, on va pouvoir tout reconquérir. Plus ou moins avec le reste. On va l'attaquer là. Là, cette fois-ci, on va le battre. Il n'y a pas à chipoter. Alors, attendez. Est-ce que ça, je peux le faire d'abord? Ouais, ça va pas changer grand chose. Il y a quand même 6 mois de machin. Le sort des paysans est de servir son seigneur. Voilà. On tombe ici. Oh, il y a quasiment rien, ça va.
On va voir ce que ça donne de lever ici. On va y arriver, hein. Ça va être juste très long, finalement. Si on enlève la poste, c'est mieux. Lui, il a combien d'armées? Il a 700. Nous en avons assez. On envoie les troupes dans sa tronche. Et là, on va pouvoir lui reprendre ça. Ici, en termes de... Vous pouvez appeler un ami. Donc non. Beaucoup de guerres nous sont proposées aussi. Donc il faudra qu'on fasse le tour des guerres qui sont proposées. Là, par exemple, on peut griller un tout petit peu ici. Bassel. Lui, on nous propose quoi? Cette revendication-là. Pourquoi pas? Est-ce qu'on a gagné les loyers? Toujours pas. Donc il faudra peut-être arriver à la fin de la guerre pour y arriver. Pour son prix. Donc ça, c'est pas un problème. C'est d'une logique implacable, hein, ça. Ça ne se discutait pas. On peut dire ainsi. Là, on va être tranquille. On va surtout changer pour mettre un chevalier qui est plus compétent pour cela. Je dirais que je ne l'ai plus en tête. Ah, ça, c'est nul, ça. Monnaie. Oh, bien, monnaie, ça nous a fait... Ah, ou je sais plus, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu. Ah, mais j'ai pas vu qu'on pouvait changer de ou se mettre dedans. Donc, on est... Du moins, il est parti sur superviseur. Donc, servir la couronne, redoutabilité. Un homme chez lui, c'est avantage du défenseur sur le terrain, plus 5. Et gain de progression de augmentation du contrôle comtal. Très bien. Donc, on peut être superviseur qui donne, je ne sais pas trop, partialité plus 1, attendant plus 2, contrôle comtal plus 5. Ça peut être bien pour gagner une stabilité dans le pays. Réellement, on peut en avoir besoin. À cela, on avait martialité qui était pas mal. La prouesse aussi, je pense qu'on est pas mal aussi. On pourrait, vu qu'on est beau, tout ça, faire quelques combats. On va prendre chevalerie. Non, on va prendre autorité, je pense que c'est plus adapté à ce mode-là. Je pense que c'est beaucoup plus adapté. Donc on va rester dans ce mode-là. Une faction est dissoute. Très bien. 15 mois pour celui-là. Très bien. Celui-là, toujours rien. Donc Mangono. Mangono, ça va apporter quoi, Mangono, alors? Peur... Attendez. Déjà. On fait ça. On prend ça. Voilà. On disperse ses troupes immédiatement. Là, on va calmer un peu les pressions qu'il va y avoir. On peut organiser un banquet... On envoie les invitations immédiatement. Tant qu'on y est, on a un peu de prestige, on donne du prestige. Et militairement, mais on n'a rien. Alors ce qui est certain, c'est Cabra, on va le donner. Alors, ici. C'est pas à nous à un moment donné, ça? Qui avait ça. Ok. Oh ben on a tellement perdu. On a tellement perdu en étant passé Bourgogne. Ah, toute la lignée a été capotée. Donc, en fait, tout ça, c'était à nous auparavant. On a tout perdu. Donc là, on va pouvoir essayer de refaire des guerres de duchés pour essayer de reprendre un tout petit peu de morceaux par-ci, par-là, hein. Ce qui s'annonce très très compliqué. Nos revendications, on a toujours. Ah ouais, non. Alors, attendez. Là, de ce que je vois, c'est juste excellent. J'ai le royaume de Francie occidentale. Vous obtenez les comtés, le royaume, le comté. On peut faire la même chose avec l'Aquitaine. Non, là c'est bon, là c'est bon. Là on tergiverse pas. J'ai pas envie de réfléchir 3 heures. Hein. J'ai pas envie de réfléchir 3 heures. La seule difficulté c'est que là il y a des prétendants qui nous apprécient moyen. On va essayer de résoudre ça. Là, on peut rien faire.
Envoyer un cadeau, oui, c'était bien ça. Voilà. On va essayer de baisser la pression de ceux qui ont besoin que ça soit baissé. Là, parce que là, je pense qu'on a trouvé un truc pas mal. On a vraiment trouvé un truc pas mal. On peut rançonner, bien évidemment. Je pense qu'il y a aussi d'autres rançons qui peuvent se faire ici. On va faire tout ça bien. Toi, t'as quoi? T'es intéressant. Recruter, exiger la conversion, tout ça. C'est qui, toi? Toi, tu vas me donner... Ah, en plus, on est zélé, ça fait perdre du stress. Bon, on doit pas en avoir des masses. Ah si, on avait quand même un peu de stress. Oh, on va pas s'en plaindre, alors. Toi, t'as 26 ans, t'as une revendication qui peut être intéressante ici. Ouais, 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 on va recruter aussi. Voilà. En tout cas, là, on est bien. On est bien. Le festin se passe très bien. Vous payez et on a donné à boire à chacun. Tout le monde est content. C'est important. Toi, tu es recruté. C'est excellent. Toi également. On envoie des cadeaux. Donc là, on va baisser la pression de tous ceux qui pouvaient être ici. J'espère. Le festin fut bon. On va essayer de payer ceux qu'on n'a pas payé ici. J'essaie de me souvenir de ceux qui ne sont pas passés. Exactement. Eh bien. Et on n'a plus de sous. Ah, on n'a plus de sous. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour essayer de s'en sortir hein? Faction dangereuse, c'était il y a longtemps. Hein? Parce que là, j'ai plus de faction dangereuse. J'ai celle-là. Toujours les moaladites qui veulent m'attaquer, hein, bien évidemment. Là, je pense qu'on a essayé de baisser les factions au maximum. Donc, on va se préparer à ça. Parce que là, franchement, c'est tellement tentant. Alors, je peux pas faire les deux. Mais la question se pose. Combien il y a de duchés là derrière? De comtés, pardon, il y a derrière. Parce que faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui doit être fait aussi derrière. C'est si on veut restaurer l'Empire romain, on n'y est pas du tout. Et à lui, on est à 83 comtés qui sont créés et il faut qu'on en ait 120. Et donc il nous en manque 37 dans la taille du pays. Donc vous devez au moins avoir 3 royaumes. On en a combien de royaumes? Pour l'instant, on en a peut-être qu'un seul. Bon, ok. En termes de royaumes, nous sommes où? Il y a Bourgogne, qu'on a. Il y a Anjou, qu'on a. Et si on chope Aquitaine, on a les trois. C'est jackpot, hein. Faut pas oublier que c'est jackpot si on arrive à avoir ça. Dans votre pays, on en a deux. Là, il y en a un. Et il nous manque quelqu'un qui considère votre foi comme hostile. Nécessite... On peut même avoir Valence. On est dans la lignée de lui. Ça fait sacrément beaucoup de meurtres. Hein. C'est peut-être exagéré, mais vous avez besoin de compter. D'accord. Donc, en tout cas, on peut prendre Valence. On peut prendre l'Aquitaine. L'Aquitaine, est-ce qu'il va nous dire combien il y a de personnes dans l'Aquitaine? Pas de duché, mais de comte. De comté, si je peux dire ça exactement. Combien il y a de comté dedans? Oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est roi de Bourgogne. Hein. C'est un peu l'andouille. Mais on pourra sûrement rechanger le titre. Hein. Mais pour moi, je pense que lui est beaucoup plus grand et pourrait nous permettre d'avoir beaucoup plus de possibilités là-dessus. Donc on va faire une déclaration. Et ça sera probablement pour la prochaine fois. En termes d'armée, on est à 9000. Ce royaume-là, il est à 8000. Il n'a aucun allié. On peut faire une déclaration de nos revendications pour choper le... Et on a même sa partie Italie qui nous appartiendrait. On confirme ici. On aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
10. Alors, je sais pas si les baronnies et tout ça, ça passe. Normalement, c'est en dessous. Alors, si on est de nouveau à 8. Ah non, on n'en tient pas tant que ça des comtés. Après, on aura celui-là qu'on va choper, celui-là aussi. On aura aussi cette partie-là. Non, 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 hé. Pourquoi faut-il tergiverser si longtemps? J'ai pas juste regardé si on avait des alliés également. Parce qu'on avait des alliés. Attendez, on va d'abord gérer nos alliances. Ne perdons pas de bâtiments désactivés. Vive. Oui, mais comment on les réactive, ces satanés? Bâtiment machin. Comment on fait pour les réactiver? Les réactiver le mois prochain, le donjon est une grande tour. On est d'accord, mais comment je fais pour réactiver? Parce qu'après, moi, je peux tout lâcher, hein. Si on est ici, en tout cas celui-là, vu le gain, on va l'accorder. Bien, les Robinciens, bien évidemment. On remet le Robincien ici. Ah, pour moi, on est pas mal. Là, on a tout ce qu'il faut là. Tout ce qu'il faut. Robincien. Robincien, oui. Il n'y a pas de Robincien pur. Il y a lui, votre cousin. Voilà. Pour moi, ces deux-là ne s'apportent rien. Voilà. On a réactivé Angers. Et à voir si on réactive autre chose. Cabra, on va le donner aussi à notre cousin. On va donner à notre cousin. Ou à notre cousin, qu'importe. Voilà. Ça, c'est réactivé aussi. Voilà, on a tout réactivé. Déjà, économiquement, on sera meilleur. Ensuite, les alliances, donc. J'ai l'impression qu'on peut faire des alliances avec personne. Donc ça veut dire qu'on y va avec notre nous-mêmes, hein. Donc je vous le lance en direct. On fait pas de représailles. Nous avons déclaré la guerre au royaume d'Aquitaine et grâce à ça, on pourra construire l'Empire de Bourgogne ou l'Empire d'Anjou ou peut-être le renommer l'Empire de France. On verra ça bien évidemment la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye!